Monster, c'est un constructeur d'imprimantes 3D industrielles modulaires qui est implémenté à Bayonne, dans le Pays Basque. Un constructeur français qui compte aujourd'hui une quinzaine de personnes et qui existe depuis mars 2016. Aujourd'hui, dans le cadre de la collaboration avec AirPro et le groupe Gage Chimie, nous travaillons sur l'impression 3D de silicone. Des silicones techniques, industriels, qui sont mono ou bicomposants, sur lesquels nous travaillons pour des applications dans différents marchés, que ce soit pour le luxe, la défense, l'aéronautique, le médical ou encore l'éducation. La 600D est une machine ouverte, modulable, d'impression 3D par extrusion de matière. On peut interchanger les têtes pour travailler avec différents matériaux. Dans le cadre de ce partenariat, nous travaillons avec des têtes monocomposants et bicomposants liquides pour imprimer des silicones, mais nous pouvons aussi embarquer des têtes qui permettent d'extruder des filaments thermoplastiques ou des pâtes céramiques. Ce partenariat est intéressant et évolutif dans le sens où il apporte les matériaux silicone sur l'impression 3D sur l'écosystème Lanxtr, mais aussi ouvre sur différentes technologies liquides, donc la chimie des polyuréthanes, la chimie des époxys, qui peuvent être traitées aussi par Gage Chimie dans le cadre de leur offre globale de matériel chimique. Gage Chimie Spécialité est une société spécialisée dans la distribution de produits chimiques, notamment tout ce qui est la technologie des silicones. Nous travaillons en partenariat avec des fabricants pour lesquels nous assurons le conseil, le suivi et le développement des applications nouvelles ou existantes. Alors, nous avons développé ce partenariat avec Lanxtr et AirPro. Lanxtr en tant qu'expert sur la fabrication de la machine, AirPro en tant qu'expert sur la fabrication additive et nous en tant qu'expert matière pour la fourniture des consommables de ces imprimantes pour aider les clients à déterminer quel silicone utiliser en fonction du cahier des charges de la pièce à fabriquer. Alors, les silicones sont des matériaux souples qui vont proposer une très bonne résistance à la température, des très bonnes propriétés mécaniques d'allongement de résistance rupture, et le fait de faire de la fabrication additive avec un silicone, la pièce fabriquée par fabrication additive a les mêmes propriétés qu'une pièce qui serait fabriquée par des méthodes traditionnelles de moulage. CINOV est une entreprise qui a vu le jour il y a 7-8 ans maintenant, qui est spécialisée dans la réalisation de pièces silicone, principalement en silicone RTV, donc des silicones de coulée. Elle fait partie du groupe AirPro, qui est spécialiste de l'impression 3D en France. CINOV a fait récemment l'acquisition d'une machine d'impression 3D silicone qui vient du fabricant Lanxtr, qui va nous permettre de fabriquer des pièces en impression 3D silicone, ce qui n'était pas faisable auparavant.